là. Et quand on est tranquille, souvent je dis à Gaël, quand on est tranquille, on regarde les trucs. On m'a dit, mais tu as vu telle personne, il me fait très attention. On en fait très ça, attention. Ça, c'est dire, t'as dit qu'on fait rêver les gens pour. Ouais. J'ai eu tel contrat de tel nombre de millions. Tu commences à regretter parce qu'il y a des gens qui m'ont dit que ouais, je n'ai pas la chance. Je ne suis pas comme telle personne. Elle a tel sac. Mais attends, c'est du n'importe quoi. Ouais. C'est du n'importe quoi. Il y a des canapés. Voilà quelqu'un qui a trouvé série à succès. Il vient de vous dire ici que 52 épisodes, on le paye soit 250 ou 200 000. Écoutez. Même si c'est 500 000, c'est 500 000, on a 3 mois, n'est-ce pas, de travailler contre combien? Vous comprenez un peu? Même si on te donne, par exemple, peut-être on t'a donné 1 million pour travailler, tu es tête d'affiche, tu dois venir peut-être travailler sur 3 mois. Même si ce n'est pas chaque jour. Vous comprenez? Donc ça veut dire que tu as eu 1 million alors? Moi, c'est pas ce que j'ai dit. C'est un temps, justement, moi je voulais te demander là. Il y a un accord de confidentialité, mais honnêtement, ce que j'ai reçu n'est pas ce que je mérite, mais sauf que quand tu as refusé et quand tu as des factures à payer, moi je dis je prends d'abord, tu ce n'est pas mieux. Soit parce que, parce que c'est jusqu'au jour où il y aura une convention collective qui donc pourra exactement que, amener des gens à respecter un certain nombre de choses. Moi je voudrais savoir, tu n'as pas été retenu pour la saison 3 parce que ton personnage ne figurait plus dans la saison 3 bien parce que les clauses du contrat ne t'arrangeaient pas. Flora. À Gaël. Vous savez, c'est non, ça c'est Gaël. Je savais. Gaël. Je suis Pyongyang. Je suis Wafo. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi on me déteste. Wafo, c'est ta vie. Je suis Tanga. Et chaque nom ne vient pas au hasard. Hier, j'étais Léo le Bantou à l'époque avec des gens comme des acteurs. Vous comprenez un peu? Qui, à un moment donné aussi, n'est-ce pas, nous ont. Non canalisé. Donc tout naturellement, moi je vais vous dire que je n'ai pas tourné dans la saison 2, la saison 3, madame, monsieur. En partie, c'est un choix. Vous comprenez? Parce que je suis un entrepreneur. Je suis quelqu'un qui est visionnaire. Je suis quelqu'un qui vise loin. Même s'il faut commencer par zéro. Je ne suis simplement pas peut-être dans la saison 3 de madame, monsieur, parce que à la base, je devrais déjà paraître là. Même si, entre-temps, le projet a avorté, tout le monde, ou ceux qui me tamponnent souvent dans la rue, on me voyait barbu, j'ai juste taillé et parce qu'il m'a dit non, tu dois venir peut-être sur Bantou. Les cheveux sont encore là, ce n'est pas encore un projet au Congo. C'est moi qui devrais financer. Les financeurs m'ont lâché. À un moment donné, encore, peut-être, j'étais encore absent sur des plateaux, simplement parce que, en fait, dans ce milieu, sénateur, personne ne veut fonctionner en synergie. Une fois que tu as essayé de lancer ton entreprise, tu deviens un ennemi. Une fois que tu as essayé de bien interpréter un personnage, tu deviens un ennemi. Actuellement, la femme qu'il faut tirer à balles réelles, c'est Emile Anibasson, parce qu'elle se démarque en fait. Au lieu de sucer, d'exploiter cela pour pouvoir vraiment, n'est-ce pas, faire grandir notre cinéma, tu vas voir qu'on va te dire non, donnons vraiment la chance aux jeunes, donnons, notre cinéma sera toujours élémentaire, primaire, film d'école, ça, c'est jamais vrai. Compétitif. Parce que ce sera toujours au même niveau, des mêmes choses chaque jour. Quand quelqu'un a expérimenté, donne-lui cette chance. On ne veut pas utiliser. Et quand tu lui donnes la chance, vraiment, mange un peu, donne-lui un peu à manger. Permets-lui, n'est-ce pas, de rationner à la maison. Permets quand même lui d'aller au moins, n'est-ce pas, épouser une femme. Nombreux sont même célibataires. Donc c'est simplement parce que moi, j'ai pris l'engagement de créer Africa Movie, qui veut dire African Canada's Movies, qui m'a permis quand même de faire la sortie, même, n'est-ce pas, des kérosènes élevés. C'était sur mon plateau, du côté de Montréal. Qui a permis quand même à Mitumba de fouler le sol du Canada. C'est moi qui le fais partie, il ne dépense pas 100 francs. Mais est-ce que lui, en tant que grand frère, peut se placer sur un plateau et dire que vraiment ce garçon est visionnaire? Est-ce que ce garçon a fait ceci? Personne ne peut quand même, ça te le dire. Je vais vous dire quelque à chose. À un moment donné, je te dirai à la machine. Un petit témoignage, vous parce comprenez que un là, peu et tu as fait ça pour Mitumba, c'est, mais aussi pour Holidays, il faut le dire. Kanga vient à Holidays parce qu'il est venu travailler avec moi. En 2017, c'est vrai. Il travaillait avec moi et pendant ce temps, il me dit, mais quand, comme on est en train de vouloir tourner Holiday, cela, est-ce qu'on ne peut pas avoir un artiste international? Je lui ai dit, on n'a pas de moyens. On n'a pas de moyens, on a des idées, on a des amis, on a des artistes, je connais beaucoup de personnes. Il me dit, est-ce que Angie Blink te dit quelque chose? C'était un artiste gabonais. Et je lui ai dit, oui, mais je ne peux pas le payer, même billet d'avion. Il me dit, laisse tomber, je vais discuter avec eux. Ils vont payer leur billet d'avion. Ils vont venir au Cameroun, on va faire une tournée avec eux. Et c'était chose faite. Angie Blink est parti du Gabon pour le Cameroun, payer son hôtel au Cameroun, payer son billet d'avion et on a fait Holidays avec Angie Blink.
Donc c'est grâce à lui, c'est une vérité. C'est pas parce que je suis trop fort sénateur. En fait, c'est que pendant qu'on est en train de miroiter le Nigeria, le Gabon, la Côte d'Ivoire, eux là-bas nous miroitent. C'est vrai. C'est-à-dire que je suis arrivé à Mega, comment on appelle ça, Europa Dubi. Mm-hmm. Je réalise que c'est pas parce que j'étais fort même que j'ai été pêché parmi 1700 personnes qui étaient dans un casting pour venir doubler des films qui passent sur Mina TV, Novelas, sans publicité. C'est simplement parce que de l'autre côté là-bas, ils ont un accent sur leur voix. Et ici, nous avons quelque chose au niveau de la voix. Mm-hmm. Et la voix qui est le premier instrument du comédien.